Alors nombreux sont ceux qui vont partir en vacances et se mettre au vert, comme on dit, chacun de nous aura l'occasion de contempler le monde qui nous entoure et sans aucun doute pourra alors constater ce que nous enseignent nos sages en conclusion de Pirkei Avot des maximes de nos pères. Ils nous disent tout ce que Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, a créé dans son monde n'a été créé que pour sa gloire. Ainsi qu'il est écrit, tout ce qui se réclame de mon nom pour ma gloire, Berativ, je l'ai créé, Yetzartiv, je l'ai formé, Af, Asitiv, ainsi je l'ai fait. C'est un verset de Isaïe, et il est dit d'ailleurs, nous disent nos sages, dans l'Exode, l'Éternel régnera pour l'éternité. Le verset d'Isaïe fait allusion aux quatre dimensions, aux quatre mondes, Atzilut, Bria, Yetzira, Assia. Et toute créature, matérielle ou spirituelle, partage le même objectif, exprimer l'éloge de Dieu. L'enseignement de cette Mishnah sert donc de conclusion adéquate au traité de Pirkei Avot dans un esprit de Milei Dechassidouta, un recueil de bons conseils pour de pieuses conduites qui dépassent la limite de la loi. Lorsqu'une personne réalise que tous les éléments de la création, même les dimensions spirituelles, n'existent qu'uniquement pour exprimer la gloire de Dieu, elle sera alors beaucoup plus motivée pour remplir son rôle dans cette entreprise. Ainsi, par son attitude fervente, cet homme fera jaillir l'honneur de Dieu aux yeux de tous.